Eh ben, rentrez, monsieur François, là, vous n'allez pas rester dans le noir, là, non, hein? Ah, bonjour, monsieur François. Alors, ça va? Comment ça va, monsieur François? Ça va très bien, monsieur Zerbi, ça va très bien, ça va très bien, ça va très bien. Eh bien, monsieur François, si je vous fais venir aujourd'hui, c'est pour vous. Donc, ça fait 20 ans que vous êtes dans l'entreprise, hein? Ah, d'accord, ça fait 20 ans, oui, ça me fait plaisir, hein, 20 ans, oui, d'accord, 20 ans, 20 ans. Non, monsieur Zerbi, si je vous fais venir, c'est pour vous dire qu'en fait, l'aventure s'arrête là, hein. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, on se passe de votre service, hein. En quelques mots, on n'a plus besoin de vous, quoi. D'accord. Parce que je suis venu parce que je pensais que la société a fait des bénéfices. Hein. C'est pour ça que je suis venu. Hein. Monsieur François, chacun dans son domaine. Vous, c'est les ménages. Et moi, c'est l'économie. D'accord? Alors, désormais, quand vous ne faites plus partie de la société, tout cela ne vous regarde plus. D'accord? Voilà quoi. Vous avez compris, monsieur François. J'ai bien compris. C'est pour combien de temps, en fait? C'est pour combien de temps, en fait? Eh bien, monsieur François, c'est définitif, hein, c'est aujourd'hui jusqu'au décès, quoi. D'accord. Comme je n'ai pas prévu décéder tout de suite, donc j'ai 3 mois pour retourner. 3 mois pour retourner, pour des préavis 3 mois, quoi. Monsieur François, vous n'en avez pas de 3 mois de préavis. Hein, c'est, y a pas de préavis. Y a pas. D'accord. Oui, mais monsieur François, c'est quand même. Monsieur Zerbib, c'est mon droit. La loi, c'est la loi. C'est la loi, c'est mon droit. 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 Oui, mais monsieur François, pour avoir les droits et l'aura, il fallait en signer un contrat. Vous n'avez pas signé de contrat, monsieur François, entre nous. Ah, d'accord, c'est vrai, c'est pas contrat, c'est vrai, j'ai pas signé contrat, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, j'ai pas signé contrat. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, si je comprends bien, aujourd'hui, je vais faire mon pot de départ, ce soir. Monsieur François, par contre, pour que le pot de départ, vous allez le faire chez vous, parce que vous comprenez, nous on n'écoute pas Francky Vincent, on n'écoute pas tout ça, donc vous allez prendre des pots de départ chez vous, d'accord? D'accord. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? Vous n'avez pas. Un petit boîte de lait pour dépanner pour les enfants aujourd'hui, hein, parce que c'est de la galère. Hein, fromage, ou si vous avez un bout de saucisson, semence de porc, c'est pas grave, de toute façon, on est dans la galère, semence tout. Hein. Ben, monsieur François, ici, on n'est pas en épicerie, monsieur François. Hein. D'accord. Qu'est-ce que j'ai fait avec les boulots de travail, là? Je garde avec moi, là? Monsieur François, ça je vous fais cadeau, hein, ça serait pour les enfants. Vous avez un enfant qui va arriver, hein, donc je vous fais cadeau. Hein. D'accord. Et les voitures société, tout ça, je garde, c'est cadeau quoi. Ah, monsieur François, non. Ah, Monsieur Zerbi, il faut donner quelque chose là, parce qu'il va rentrer à la maison, il n'a pas d'argent, monsieur Zerbi. Donnez quelque chose pour moi là. Non, j'ai rien à vous donner. Tiens, une boîte d'épinaises, ça va vous faire. Vous allez jeter par terre, comme ça vos enfants vont courir pour les ramasser. On dirait les antilopes là-dedans. Voilà, donc. D'accord. Est-ce que c'est moi?
J'ai pensé, mais monsieur Serbi là, j'ai pensé là, j'ai pas quand même nervé quand même, c'est pas nervé monsieur Zerbi, j'ai pas nervé quand même monsieur Zerbi. Et monsieur François, vous n'allez pas commencer hein, parce que moi, vous savez que vous n'avez pas de papier. Hein. Il suffit que je donne un coup de téléphone à la police, vous allez trouver dans la savane, hein, monsieur François. Hein. Alors donc, hein, ok. Oui, mais monsieur François, c'est quand même la loi, c'est mon droit, c'est la loi, c'est mon droit. Mais monsieur François, pour avoir les droits, il aura fallu signer un contrat. Vous n'avez pas signé le contrat. Eh bien, relisez votre contrat.